travaillé. Au cours de l'entretien, le président a proposé que s'instaure un dialogue entre l'opposition et la majorité sous son égide pour évoquer la question du genre de la vie de la nation, sans exclusif aucune. Sur le principe, fidèle à notre manière de faire la politique et aux valeurs que nous croyons, l'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. Autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille vraiment, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le bureau de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat. Nous sommes dans l'attente d'être à nouveau recontactés afin d'être situés sur la date de la rencontre entre la majorité et l'opposition. La question de la formation du gouvernement d'Union nationale n'a pas été, elle n'a pas été évoquée. La question ne se pose même pas. Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur ça.